bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Horizon The Frozen Wild. Nous en sommes à l'épisode 6 et on a l'air de se rapprocher de la fin du DLC. En tout cas, attention quand même, il peut rester bien 3-4 épisodes, voire plus, parce que c'est parfois trompeur les jeux vidéo. Vous le savez, quand on pense s'approcher de la fin, eh ben non, on en était assez loin, voire au milieu, et on devait se diriger, regardez bien, tout là-haut. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un village, il y a une épreuve de chasse, et là, il y a une zone que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas déverrouiller. C'est une zone mystère, donc on se pose pas mal de questions. On va voir ce qui se passe. On a un feu de camp sur notre gauche, ça, c'est plutôt cool. On va aller l'activer de ce pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dans cette zone. Ce que je peux vous dire, c'est que... Attendez, là, je suis à deux doigts de me faire cramer. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va prendre notre cheval, et on ne peut pas y aller en cheval. Ça, c'est bien. Si, on peut y aller en cheval. Ouais, t'es où, frérot? Il est mort. Il est bien. Allez bien. Voilà. Donc, les amis, l'heure est grave. Ce week-end, je suis allé... Ah, voilà, je ne voulais pas descendre. C'était une petite erreur de ma part. Ce week-end, je suis allé en Belgique. Voilà, j'ai été voir nos amis belges. C'était très sympa, hein, très bon week-end. Par contre, il faisait moins 2 et forcément, je n'étais pas prêt. Personne n'était prêt, je pense à cela. Et je me suis chopé un rhume et je vais me faire arracher. Quoi? Quoi? Incroyable, mes frères. Vous êtes gentils? Non, vous êtes gentils, ok, vous êtes totalement gentils. Ok, ok. Waouh! Ok, j'étais. Ok. Il y a une sorte de bouclier qui se crée, c'est assez terrible. Non. Allez, ça dégage. Ok, on va sauver plusieurs flèches. C'est quoi ce délire? Première fois qu'on s'occupe de ça. Ok. C'est rien, je peux me soigner calmement. C'est rien. Il n'y a plus de munitions, on va créer de nouvelles munitions. On va prendre nos flèches classiques pour les utiliser un petit peu. Attends, il a repris sa vie ou quoi, lui? Non, ok. Il a repris ça. Ok, on se casse. Il n'y a plus de chasseur, je suis tout seul, laissez tomber. C'est un putain de business. Waouh! Je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu. Ok. Ça, c'est pas mal. Allez, hop, je ne sais plus, voilà, je me suis perdu dans les touches, désolé. Ok, c'est pas mal, j'ai une figurine d'animal 6, je ne sais pas du tout c'est quoi. Bon, on a réussi à s'en débarrasser, c'était pas évident, les gars. On continue. Mais ça, c'est l'enfer. Attends, faut vraiment que j'aille désactiver. Attends, arrête de bouger. Arrête! Totalement con, ce gamin. Ok, on va totalement le pirater, les gars. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est fait. Il y en a qui vient. Mais c'est un champ. C'est un champ de contamination. Ouais, je suis mort dans le game. Personne n'était prêt à ça. Je peux en prendre le contrôle. Je pense que je suis totalement mort et je ne peux pas le pirater. Bah ouais, ça en recharge. Mais quelle erreur! Quelle erreur du joueur franco-taille! On est parti, il m'a pas vu. Allez, allez, s'il te plaît. Il charge! C'est terrible! Mais c'est terrible! J'ai pas ici. Oh là là. Oh, ma vie. Ma vie n'est que foutrerie, si je puis me permettre. Oh non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ok. Je vois pas quoi faire. Mais ouais, mais... Bon, c'est... Il y a le gang des autruches. Quoi? Il m'envoie un album de Joule. Ok, on soigne. Calmement. Je me casse. Comme disait Maître Gims, je me tire, les gars. Putain de merde. C'est donc ça l'enfer. Ok, attendez, on est où? On est où là? On est où? Il est où le bonheur? Ok, on se casse, les gars. C'est n'importe quoi. J'ai plus de bouclier. Ils sont malins, hein. Ils ont tout prévu, hein.
ça désactive carrément l'armure anti. Ils sont tellement malins. On se casse. Waouh, une chèvre. Un bouc. Quelque chose. Ça c'est beau. Je prends. Ah c'était terrible. C'était terrible. Là les gars, je sais pas ce qui se passe en peu de temps, mais c'est assez terrible. Non, ils étaient trois, ils étaient trois, ils étaient beaucoup trop. Certains parlent de millions. Donc non. C'est pas grave, on fera ça. Oh, une queue de renard médicinale. Oh, c'est mignon que ça s'appelle comme ça. Allez, on se refait des flèches calmement. Voilà, on se met full stuff. Ah oui, ah oui. J'avais pas fait attention à ça. Et on est reparti. C'est pas grave, les amis, d'accord. Le chemin, de toute façon, était compliqué. Je m'en doutais. Attendez. On a un autre champignon pas très loin. Il y a pas mal de champignons à faire. Je pense qu'on va avoir une quête qui va nous inciter à tous les faire. Oh là là, il y a quelque chose sur ma gauche. Oh là là, ça m'a repéré. Oh, c'est quelque chose de volant, ça. Ok. Ok, c'est pas mal. Juste pas. Voilà, faut mourir. Ouais, pas trop dur celui-là. Ils sont chiants, hein. Ils commencent à devenir très compliqués, les gars. Vous l'aurez compris, il y a encore un autre champignon ici qui s'amuse un maximum. Enfin, pas un champignon, mais vous savez, quelque chose qui répand ce microbe. Bah forcément, je pense qu'on se rapproche. Oh là là. Oh là là, ça va être chiant, ça va être chiant. Okay. Elle a encore désactivé mon bouclier. Génial. Waouh! Ce tir de précision. Ok. Je suis vraiment caché là. Voilà. Ça c'est beau ça. Waouh! Ok. On esquive. À gauche. Signal leur donne de l'énergie. On les répare. Ah mais carrément! Non mais les gars, prévenez-moi, putain, prévenez-moi quand vous faites des sombreries. Waouh! Oh ouais, non mais. C'est un délire, c'est un délire. Ça les répare totalement! Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ils sont immortels. Ils sont totalement invulnérables. Ils sont totalement invulnérables. C'est la merde! Aïe aïe aïe. Les gars, le plan a échoué littéralement. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Eh ouais, putain, je me suis fait enculer, les gars. On a tenté des choses, hein. Il est vrai. Oh là là, regardez-moi le nombre qui sont, c'est terrible. Dites-moi pas que ma quête c'est de les désactiver, putain. Allez, s'il vous plaît, je vous fais confiance, les gars. Ok, on va passer par ici, c'est bon. On s'approche d'un village. Ah, vous êtes si près. Oh là là, c'est terrible. Allez, Alantai, c'est fait. Parlez à Ourea et parlez à Aratak aussi, mais c'est facultatif. On va parler évidemment aux deux et on va commencer par le facultatif. Alors, Aratak, tu es où? Tu es où, Aratak, normalement? Tu es... Bah, tu es ici. C'est parti. Mais notre but était de reprendre la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Tenez-vous prêts. Affûtez vos lances. Si on n'en revient pas, ce sera à vous de défendre la plaie. Si notre chef est d'accord avec ce plan. Ça me paraît sensé, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Bonne chance. Le poids du commandement est un lourd fardeau. J'ai remarqué. Je suppose que tu n'as pas parlé à Ourea ? Je devrais. C'est tout ce qu'elle voulait. Retourner au fût du tonnerre. C'est tout ce qui l'intéresse. J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen d'écarter ma lance. Quand les Karja ont capturé ma sœur,
Elle n'est pas revenue indemne. Qu'est-il arrivé à Ouréa quand elle était avec les Karja? En tant que chamane, elle est douée avec les machines pour les traquer, les étourdir. Les Karja l'employaient pour les capturer pour la fosse, où ils les lâchaient sur des innocents. Ils l'ont mêlée à leurs loisirs sanguinaires. La honte qu'elle a éprouvée sous leur soleil impitoyable. Elle a survécu. Elle a tenu bon. Tenu bon en se concentrant sur son esprit, sur son but. C'est tout ce qui lui reste. Qu'est-il arrivé à la première expédition? Ouréa nous a guidés vers le sommet. Mais une grande porte barrait le passage. Un genre de creuset, du métal. On a essayé de la forcer, mais elle ne bougeait pas. On était épuisés. On était pris entre cette porte et les machines. J'ai pris la décision de reculer. Ça nous a coûté cher. Mais on aurait tous péri en restant là-bas. J'espérais ne plus jamais faire subir ça à Ouréa. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne sais pas. Cette grande plaque de métal, ce bourdonnement. Il n'y a rien de sacré ici. Des machines et la mort, c'est ce que nous réserve la montagne. Notre mort ou celle du Daemon. Et si on retrouve cet esprit? Alors on devra peut-être abréger ses souffrances. Pour ce que ça vaut, merci de m'accompagner. Quelqu'un doit protéger Ouréa. Ok, ça c'est fait, on va parler à Ouréa. Donc je pense vraiment qu'on s'approche de la fin du DLC, mais il y a l'air d'y avoir pas mal de quêtes secondaires. Je sais pas si on les fera en vidéo, parce qu'il y a tellement de jeux qui arrivent, peut-être qu'on retournera dessus dans un an, hein, pourquoi pas, tous les ans, retourner sur Horizon. Ça fait plaisir à la famille, on verra. Quoi qu'il en soit, Ouréa, dis-moi tout, mais pourquoi tu vas aussi loin, Ouréa, tu es toute seule, quoi? Ah non, d'accord, non, c'est le checkpoint, je me les ai mis à personne ici, c'est très bizarre. Ok, Ouréa, c'est parti. Aloy, nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et peut-être lui rendre la lumière bleue. Je n'aurais jamais eu cette chance toute seule. J'avais besoin d'une étrangère, ignorante de nos coutumes, mais... Non, pas ignorante, mais... Tu veux me remercier, Ouréa? Oui, bien sûr. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds, tu crées des opportunités. Merci d'avoir rendu ce pèlerinage possible. J'aurais juste préféré ne pas avoir à humilier Aratak. Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit, il est buté, mais... Il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. C'est tellement bien fait, le métal, le reflet de lumière et tout. Aratak m'a dit que tu as longtemps été prisonnière des Karja. T'as dû souffrir. Pour Aratak, tout est lié à ça. Il croit que les Karja m'ont changé, mais c'est faux. Ils m'ont rendu plus résolue. Quand tout semble perdu, on pense à ce qui compte vraiment. L'esprit, la lumière bleue, l'au-delà. Et mon frère, bien sûr. Chaque fois que je sentais le vent glacé du nord, je pensais à lui. Je m'inquiétais. Qu'a fait la guerre à Aratak? Elle a tout éliminé, ne laissant que son essence. Une âme de glace. Aucun Banouk n'a sa volonté. Il a combattu les Karja pendant 1000 nuits gelées, mais ralliait toujours ses chasseurs à l'aube. Il a subi 23 blessures pendant toutes ces années. Ses hommes ont compté, il ne s'est pas plaint une seule fois. Pourtant, il se plaint que la vie est plus dure avec moi. C'est vrai, je ne lui apporte jamais que des ennuis. Maintenant que je suis chef du Vérac, est-ce que je peux t'ordonner de me parler de Silence? Aratak ne se serait jamais permis de convoiter un secret du Conclave. Mais tu n'es pas Aratak et... Si tu as eu affaire à Silence, je comprends ton insistance.
Silence était un jeune chaman des terres du Nord. Il venait du guet de la Chouette. Un Vérac isolé et rarement présent aux assemblées. Silence était chaman? C'est ça. Ou du moins, quand nos coureurs ont demandé au guet de la Chouette, c'est ce qu'on leur a dit. Il connaissait les machines comme personne, et puis... il était impatient d'échanger son savoir avec nous autres. Il a eu tôt fait de gagner la confiance du conclave, et même par la suite, de recevoir une invitation. Toi aussi? Tu lui faisais confiance? Non. Mais je l'admirais. Il avait de la prestance, de l'autorité. Je voulais qu'il m'instruise, mais... ça ne s'est jamais fait. On lui a révélé notre lieu de rencontre le plus sacré, les cavernes gelées du Malmström, à un mois de marche de Banur. Il nous y a rejoints comme de coutume, en plein hiver. Mais à la visite suivante, les grottes avaient été pillées. Des reliques des anciens volées, des trous dans la glace et le métal. Oui, ça ne m'étonne pas de Silence. Il a disparu avec son butin. Nos meilleurs pisteurs l'ont pris en chasse, sans revenir. Et quand on a contacté le guet de la Chouette, ses garants avaient tous disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains membres du conclave pensent même qu'il n'était pas réellement Banuk. Qu'est-ce que tu en penses? Il a commis un sacrilège impardonnable. Il est sans scrupules et dangereux. Mais aussi brillant, habile et instruit comme personne d'autre. À part, peut-être, toi. Je ne vais pas tenter de t'en dissuader. Je pense que tu pourras traiter avec lui sans danger. Mais reste sur tes gardes. Je m'en souviendrai, Ouréa. Merci. Qu'est-ce qu'on trouvera là-haut, Ouréa? Des ruines, des machines, une porte, comme celle d'un creuset. Je sais que tu trouveras le moyen de passer à l'œil, car au-delà se trouve l'esprit. Je sais que je l'y trouverai, mais je sais que le Daemon a tenté de cacher la voie. Ça a dû être dur pour toi, Ouréa, de revenir ici. C'était incroyable de l'entendre à nouveau. Cette fois, tu l'entendras. J'aimerais bien. Alors, tu es prête? Une fois partie, le retour ne sera pas simple. Je confirme qu'on a là la fin du DLC, donc peut-être que je vais couper l'épisode parce que ça va peut-être encore durer une heure, je ne sais pas, en deux ou en trois, ou peut-être pas, je verrai, mais on est parti pour le film. Pas par là. À travers. Maintenant, mon frère! Seul à attendre. De la fumée a été détectée dans le complexe. Ce n'est pas un test. Veuillez rester calme et rejoindre la sortie la plus proche. Je répète, ce n'est pas un test. Alors, tu vois. Veuillez rester calme. Moi aussi, je peux invoquer le pouvoir des anciens. Oui, ils ont forcément tiré sur la sonnette d'alarme du bunker et donc ça a activé la porte. D'urgence, ok! L'esprit m'a dit que tout ça faisait partie de son domaine.
Là, ça va être la merde. Mais genre vraiment. Une forteresse conçue pour défendre l'humanité d'un grand danger. Une forteresse? On dirait plus une machine. Est-ce étonnant? La lumière bleue habite souvent les machines. Espérons seulement qu'il en reste ici. Très bien. On a de quoi ouvrir ici. On va essayer de voir un petit peu. Elle peut pas s'ouvrir, elle peut pas s'ouvrir. On va fouiller ça. Ok, là les gars, là ça devient sérieux. Nous voici dans le dernier creuset. Un des derniers bunkers. En tout cas de ce DLC. Et je dois aller par ici. Bah, alors pourquoi aller par ici? Ok, je pense à ça. Je pense à ça. Et à ça, attendez. Attendez. Ah oh non. Non, t'abuses à l'œil. Ah, ça marche aussi par ici. Ouais, elle abusait quand même. Elle aurait très bien pu s'accrocher. Il y avait rien de difficile, c'est parti. Est-ce que c'est une donnée audio? Non. Le retour de Kenny. Bah alors? Ils ont tué Kenny ou quoi là-dedans? Ok. Ok. Très bien, on va passer par ici. Donc plus rien ne fonctionne à cause de la gelée. Vous l'aurez compris. Ok, on continue. Attends. Oh, la vache. Ok. Ok, je suis censé faire quoi? Ah! D'accord, je pensais qu'en fait... Mais... Ça s'est fait? Je suis dans la mort. Je suis dans la mort totale. Ce bug! Merde! Sur la cible. Wow! Ok. Ça va être compliqué, les gars, je peux le faire. Ok. Je confonds les touches, my bad. C'est bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et ça c'est fait, ça dégage. Ok, reste qui? Oh là là, eux ils sont horribles. Allez, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi tous là. Oh là, on est trois, mais j'ai l'impression que je suis tout seul. Ok, bougez pas. Vu qu'on est dans le menu, je vais prendre mon temps, hop, pour créer un maximum de plaisir. Ok, c'est bon, ça c'est de l'esquive. Sans faire exprès, je me suis fait flasher. Allez, aidez-moi. Oh putain, ils sont... J'ai peut-être... Les gars, j'ai peut-être été mauvaise langue. Ils ont l'air bien plus utiles que ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que... Aïe. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'ils sont bien plus utiles que ce que je pensais. J'ai critiqué à la va-vite, comme on dit dans le milieu. Si la chute d'avance n'a pas mesuré, il en faut autant. Ouais, désolé les gars, je me foire dans les menus entre les quatre gâchettes, je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée, mais là j'ai parlé chinois, les mecs. Dès que j'ai commencé à subir un coup, c'était assez terrible. On est parti. On continue cette petite avancée. Il y a plein de caisses de ravitaillement, très sympa, on adore les caisses de ravitaillement. Oh, attends, il y a un antigel. Il y a des pièges, ça je les ai jamais vraiment utilisés. J'ai un anti-feu, j'ai des grosses potions, j'ai un boost. Allez, petite potion boost et gros soin au cas où. On est pas mal. On est pas mal. Ce n'est plus très loin. Ok, c'est parti. Régale-moi. Attends, hop, les gars, je vais me soigner pendant qu'on peut. C'est par ici. La dernière fois qu'on est venu, on est passé de ce côté. Les machines ont vaincu. On s'est replié, perdant du matériel et des hommes. Nous allons devoir vaincre avec seulement deux guerriers et un chaman à on protéger. On t'entend pas! Aloy n'est pas une guerrière ordinaire. Criez plus fort! Et je peux me défendre. Mais bon. On pourrait passer par là plutôt.
Il y a des machines là-haut, mais aussi des abris. On pourrait rester cachés, au moins au début. D'accord, je vois nos options. Maintenant, suivez-moi. Des tuyaux. Suive le chemin direct d'Aratak jusqu'à la tour, ou suive le chemin d'Ouréa. Là, je vois quoi? J'en vois un, j'en vois deux. J'en vois. Oh la vache, lui, il est beau, lui. C'est un beau spécimen. Voilà. Après, indirectement. Qu'est-ce qu'on a pour du cristal bleu? Je peux m'en occuper d'ici. Ils peuvent pas venir. Alors, les bolos? Attends. Ils peuvent pas venir, on est d'accord. Ils peuvent venir! Ouais! Aïe! Oh, une petite sauvegarde. Hop, on save très rapidement. Il ne s'est rien passé, vous avez rien vu. Allez, on y va, les gars! Direction l'arène, on va se la donner. Oh, ça va être terrible. Hein. Ça va être le pire moment. Waouh! Ok. C'est pas mal. Putain, lui il est beau. Lui il est grand, il est beau, il est fort. Ok, ça c'est pas mal non plus. Waouh! Il m'a mis une Jeep. Waouh! Waouh! Ok. J'ai pris un boost. Allez, be careful. C'est pas terminé, c'est que le début. Ok, c'est pas mal ça. Putain, rassurez-moi, ils sont là ou pas mes amis? Ok, ils sont là. Ça c'est pas mal. Bon, là qu'est-ce qu'on peut faire? Là on laisse tomber ça, ça sert à rien. Ok, c'est gencive. Waouh. J'ai déjà... Allez, j'ai déjà presque plus de flèches. On va essayer d'en construire un maximum. Il est assez stock. Faites gaffe. Yo les gars. Vache. Waouh! Ma vie est tellement nulle! Ok. C'est pas mal. Aïe. Je prends tellement ce que je mérite, les gars. Ok, j'ai peut-être ma petite idée. Allez, ça dégage! Ok. Couez. Oh la vache. Putain les mecs. C'était sincère. Il y en a un autre. C'est la guerre. Waouh. Plus de balles. Il veut que moi ce con. Ok, c'est bon, c'est pas mal. J'arrive à voir derrière. C'est pas mal. Deux fois de suite. Wouah, sa double attaque est terrible. Ok. Oh la vache. Allez, les gars, aidez-moi. Oh, je pense que je mérite, les gars. C'est assez terrible là. Allez, c'est bon. Allez, ça dégage. C'est bon. Vous rappelez la honte de notre échec. Ok, les mecs. C'était pas évident. Honnêtement, c'était pas évident. On a failli y passer plus d'une fois. Heureusement que j'ai l'armure antique. Récupérons le matériel qu'il reste.
pour survivre plus longtemps. Ok, c'est assez terrible. On va ramasser un maximum de feuilles, les amis. J'adore les feuilles, ça peut rapporter du soin. On a quoi là ? Dégage de la chaleur, comme une forge au céramique. Je sens des vibrations sur mes pieds. Est-ce qu'elle puise quelque chose dans le sang ? Ok, alors attendez, parce qu'il y a tout le monde qui essaye de parler en même temps. C'est un petit peu mal foutu le bordel là. Nous avons survécu là où nous sommes. Non, ta gueule, j'essaye de lire un journal, putain. Allez. La suspension du réseau géothermique ne pose pas de problème. Mais je vais devoir commencer à m'assurer qu'elle pourra être réelle. Ok, bon allez, ça m'a saoulé les gars. C'est terrible. Waouh. Les machines. Mais c'est pas vrai! C'est bien ça son point faible. On va lui remettre, hein. Waouh! Les gars, eh, par contre, alors des fois vous êtes méga utile. Ok. Waouh, mais matez cette vitesse! Ok, c'est bon. Ok, il n'y a plus rien en protection à retirer. C'est pas mal ça. Désolé si je parle pas beaucoup là, vous comprendrez que ça nécessite un maximum de concentration. Wouah, mais il est terrible lui, il est terrible. Ok. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, faut m'aider les gars. Faut m'aider les gars. Ok. Allez, c'est pas mal. Waouh. GG à toi. Allez, ça dégage, il n'a plus de protection, il n'a plus rien. Ça se casse. Bon, le petit effet de surprise, on apprécie bien évidemment à travers une porte. Bien joué à eux. J'ai marché en plein dedans. Il m'a arraché le bordel. Leurs efforts endurcissent notre cœur et guident nos lances. On est parti. Bon, là, ils ont la jamais été loin ouverte la dernière fois. On trouvera une autre entrée. Vous m'avez dit que vous avez fait demi-tour parce que vous êtes fait arracher. Non, c'est bizarre, tu te contredis un peu là, non? Ou alors il a juste eu le temps de voir que la porte était ouverte et puis il s'est fait arracher. C'est possible aussi. On va voir, on va voir. On va voir si ça coulait de sens. Mais de ce que j'ai compris, ils se sont fait totalement découper et ils ont dû faire demi-tour. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre. Okay, on est parti. Ok, ça va prendre. C'est pas mal. Attends, pousse-toi frérot. C'est pas ici la sortie. Yes, qu'est-ce qu'on a là? Okay. Merci d'être venu, tout le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. Sauf pour George. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de boire pendant le boulot. Nous n'aurions rien pu faire sans notre bien-aimé directeur, Kenich. Donc... votre santé, Kenny. Vous avez bouché la caldeira de Yellowstone. Vous avez bien mérité une margarita. Mais avant de trinquer, j'ai une chose à ajouter. Ce projet n'aurait pas été possible sans notre programmatrice. Merci, Anita, d'avoir créé le vrai cerveau de l'équipe. Sion. Je suis d'accord, directeur Shaw. Alors, Sian, quel est le dernier chiffre? Nous en sommes actuellement à 1654. Waouh, ça se fait, chers collègues. Trinquons à 1654 années de plus, sans une seule éruption. C'était l'esprit, avec... les anciens.
Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Ouréa. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit, je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte.